mon anniversaire au cas où vous auriez pas compris sur les réseaux sociaux si vous avez déjà suivi ma journée de ce matin et toutes mes conneries que j'arrête pas de poster. Bref, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi mon anniversaire dans Animal Crossing. Et oui, et merci pour l'abo. Labo modo. Et oui, embrassez-moi. Et Naoli. Et Noali. Nao, lui, il est décalé d'un jour, j'ai pas fait exprès, donc du coup, on aura droit au taxe d'anniversaire demain encore. Ouais. Comment j'ai pas fermé la porte? Oh, y'a Momo et Kiki! Trop bien! Et le chauffage. Et oui, c'est full chat. C'est incroyable. Yes. Merci Headkiller. Non mais il y a la règle des 5 secondes, il va, c'est bon. Un an de purée d'épinards et d'une citerne de thé noir. Alors, la citerne de thé, why not, mais le purée d'épinards... Elle dit courge, oui. Joyeux anniversaire, nos miles les plus sincères. Joyeux anniversaire, affre-toi un truc super. Ouais! C'est
star du jour prête pour la fête, incroyable. C'est trop bien. Ah bah oui. Alors malheureusement, ma maman elle va pas pouvoir venir aujourd'hui, donc j'ai décidé que j'allais faire un stream, mais genre un très long stream. Genre limite, je vais essayer de pas couper le stream. Au programme, on va faire du Animal Crossing, du Hades, un peu de GBF. Et si je suis motivée, parce que pour l'instant je suis pas très motivée, des trucs genre Scriblio, mais ça c'est entre grosses parenthèses parce que je sais pas. Je suis pas motivée pour l'instant parce que j'aime bien faire des trucs solo. Mais j'ai envie de faire un live le plus possible et puis. Et puis je montrerai mon gâteau, je viendrai souffler mes bougies devant vous. Du coup, faut que je me change. Ah bah oui, bah si t'as plusieurs onglets en même temps, oui, c'est le son, c'est pas forcément que chez moi. Non, je suis bien comme ça, c'est bon. Ouais, 90 900. Même pas une lettre de maman. Mon maman m'a même pas écrit pour mon anniversaire. C'est quoi ce scandale? Donc maintenant, on va aller offrir des petits cupcakes à tout le monde et normalement, ils vont me donner des cadeaux en échange. Ah oui, ça c'était quelque chose, hein. C'est 10 ans, 10 ans, Noctali. Un panneau anniversaire, wouh! Ouais non, ça fait un sacré bout de temps, hein. Je sais plus, moi je suis très nulle pour garder le compte des jours et des années, donc
Et oui, les petits cupcakes, vous pouvez les manger, mais il vaut mieux les donner aux habitants parce que du coup, ils vous filent des trucs d'anniversaire. Voilà à manger. Putain, mais non, il peut pas me dire ça alors que je vais le remplacer par Olivia. Non, Marvin. C'est horrible. Je suis quelqu'un d'horrible. Je mérite pas mes habitants. Comment elle a déjà tout nettoyé? Oh yes! Pour l'instant, je vais m'occuper de faire le tour de toutes les maisons et après je m'occuperai des fossiles, des machins et tout et tout. Mais elle s'est assise, du coup c'est chiant, je peux pas lui donner de cadeau, faut qu'elle soit debout. C'est bon. Je peux pas lui donner de gâteau. Je veux enfin avoir la dernière chanson qui me manque.
Ton copain éternel Momo. Oh. Oh, Cousette! Oh, Maurice. Trop mignon. J'ai réussi à choper Raymond avant qu'il se rasseye. Il donne pas que des objets d'anniversaire, hein. Oh, c'est trop mignon, et en plus il y a Marine dessus. On va essayer de choper Tupux. Salut Darmaniac, merci. On va essayer de choper Tupux pour... pour lui filer un gâteau. Now.
30 tout pile. Et oui, je rentre dans le club des trentenaires et ça me va très bien. Faut choper Tupux, attention. C'est bon. Pendant qu'un ballon passe. Le ballon. Et invité spécial, le ballon. Combinaison de ferme. Étagère impériale. Oui, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé. Où est-ce qu'ils sont tous partis là, les habitants qui me manquent? J'ai trouvé le trou qui brille, c'est bien. À bébé. Ah oui, regardez, j'ai tous les trains. Indigeste, est-ce que t'as des trains que tu voudrais? Ah bah Néferti, elle est là. C'est grâce à Sinaël. Oh. Été ou printemps? Parce que celui avec les petites boules roses, c'est printemps. Ah, le rose tu l'as, donc c'est été et hiver. Très bien, je voulais juste être sûre. Faut peut-être que j'aille chercher des sous. Je ferai ça quand j'aurai des clochettes.
Ouais, je sais que ça presse pas, mais je préfère le faire tout de suite, comme ça j'oublie pas. Bon, bah il me manque pas mal d'habitants. Il me manque Prince, Marine et Bouloche. Ah, pas tant que ça finalement. On va faire ça dans l'ordre. On va revenir là. Je vais aller voir ce qu'il y a comme tenue au magasin d'ailleurs. Qui veut les petites moustaches de chat? Moi, je les ai déjà. La jupe bariolée, je crois que je l'ai pas. Elle ressemble à ça, les petites moustaches. Ah oui, on voit pas avec la caméra, pardon. Bah elles sont là. C'est des petites moustaches qui sont là. Désolée, j'oublie que la caméra elle est plus en bas. Ah bah ça, PUBG, je ne connais pas, ça reste un mystère à mes yeux. Enfin si, je connais, mais j'y ai jamais joué, donc on peut pas vraiment dire que je connaisse le truc. Ah. Même pas de cadeau en échange. Remboursé, rends-moi mon cupcake. Ils me font plus de cadeaux. C'est des radins. Je rigole, hein, je les aime quand même.
Et du coup, il me manque juste Prince. Et merci Dark Shadowty. Ah bah je commence mes 30 ans avec une bonne migraine, mais c'est une migraine qui avait déjà commencé hier, donc mais j'ai pris des médocs pour, j'ai mon petit macaron mentholé pour faire un effet de frais sur le front. Donc ça commence à passer doucement, puis j'ai bu un café, ça aide aussi un petit peu, donc je suis sur la fin de la migraine, donc ça devrait aller. Mais où est Prince? Ça fait bizarre de dire je vais te donner des choses. Non, mais en vrai, j'ai pris des médocs pour et comme j'ai dit, j'ai mon petit truc qui fait du frais, donc ça aide. Je suis sur la fin de la migraine. J'ai déjà beaucoup moins mal que quand je me suis réveillée que quand je me suis réveillée. Et que quand j'ai commencé à stream, donc ça commence à aller mieux. Ah, des choses sur l'île. Alors, si c'est des plans, je risque de les avoir déjà, donc attention. Pas de plan. J'essaye juste de trouver Prince et puis allez, pourquoi pas, je viendrai faire un petit tour sur ton île. Mais Prince reste introuvable. Bon, le problème c'est qu'il est assis.
Bah, il était bien caché, hein. Allez, prince, debout, t'es le dernier à qui j'ai pas donné de cupcake. Je pense que les deux autres m'ont pas fait de cadeau parce qu'ils étaient dans le musée. C'est ça, je pense que Boulash et Marine ne m'ont pas fait de cadeau parce que j'étais dans le musée. Je vais aller mettre les objets d'anniversaire en bas, je pense. Ah oui! C'est quelque peu volumineux. Oh, c'est trop bien! Tu peux préparer le dodo code si tu veux, je vais pas tarder à venir. Par contre, je resterai pas longtemps, hein. Alors là, je sais pas du tout. Alors, je fais juste un tout petit BRB rapidement, je reviens. À tout de suite.
Et voilà. T'as le code du coup Ah, oh, j'ai oublié de prendre de la thune. J'aurais pu faire tes shops comme ça. C'est pas grave. J'ai parce que j'ai plein d'arbres à sous sur mon île et j'ai oublié de les prendre. Mais non, t'inquiète, j'en ai assez. J'ai 9 millions sur. J'ai 9 millions sur mon compte Nook. Donc t'en fais pas pour ça. T'en fais pas pour ça. Ah, t'as déjà 7 millions, vache! Toi aussi, tu. Tu cumules. Ça fait combien de temps déjà que tu joues? Deux mois et demi. Ouais, moi j'ai commencé à la sortie, donc ça doit être à peu près pareil aussi, j'imagine. Ouais, à la sortie, ça fait depuis mars, ouais. Mais moi, j'ai pas dit 2 mois et demi. Moi, j'ai dit que j'y jouais depuis la sortie, donc. Waouh, trop bien la calèche citrouille. Oh, tablier nostalgique. Alors, est-ce que j'ai assez de place déjà? Ok. Merci. Je vais tout ramasser et je vais regarder. Alors, on a le masque Jack-O. Oh, il est trop cool! Le tablier nostalgique. Ah, je sais pas si je l'ai en rouge. Le tablier cœur, je crois que ça, je l'ai déjà. Ouais. Le t-shirt noué devant, je l'ai aussi. Le sweatshirt. Je sais plus si je l'ai. La veste de motard, je crois que je l'ai. Du coup, je garde le tablier nostalgie parce que je sais plus si je l'ai. Ça, je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà. Ça, je l'ai potentiellement déjà, mais je suis plus sûre. Hop, le masque, je le mets de côté. Un petit ballon. Alors, t'as dit quoi? Oh, c'est gentil, merci. Je vais visiter tes shops en attendant. Je vais voir ce qu'il y a en vente chez toi. Je vais racheter un bonbon déjà. Ah bah, il y a l'arche. Oui, mon bébé. L'arche, je pourrais t'en craft une ou t'en envoyer une si tu veux. Bah, si tu veux, je peux acheter l'arche Dark Shadowty. Comme ça, je te l'envoie indigeste. Ça te dit? J'attends juste l'autorisation d'un digeste. Ok, je prends et je t'envoie ça en rentrant.
Et pareil, tu pourras custom l'objet avec des citrouilles vertes, jaunes et, ou blanches. Et ça donnera une arche légèrement différente selon les citrouilles que tu utilises pour modifier la couleur. De base, parce que je connais pas, je regarderai moi-même qu'est-ce que ça donne les autres couleurs. J'ai en noir et rouge la tenue haillon. Oh vache, c'est un gros craft, tu dis, hein, si tu veux que je te renvoie des compos en échange. C'est gentil, merci. Mais même quand même, si jamais t'es à court de si jamais t'es à court de trucs de compos, dis-le moi. Merci beaucoup. Pour moi, ça aussi. Ok. Eh ben, c'est gentil, merci. Ça en fait des kits de personnalisation. Je t'embête pas plus longtemps parce que j'ai d'autres trucs à faire et tout. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment super sympa. Et encore merci pour bon anniversaire et tout et tout. Ça va, bébé. Oui, j'ai une certaine passion pour le rouge, effectivement. Alors, je vais pouvoir envoyer des courriers à Indigeste, du coup, grâce à Dark Shadowty. Donc, on a dit été et hiver, si je me souviens bien.
Bien va mon bébé. Et l'arche que je t'envoie par courrier. Ça va? Oh oui, ça va. Maui, Maou. Maui, bébé. Hey, coucou chat. Maui, bébé. Maui. Alors, à quoi ça ressemble les différentes calèches? Je suis très curieuse de voir ça. Oui, c'est le chapeau d'anniversaire! J'ai des lunettes qui vont avec. Je préfère la naturelle. Elle est jolie aussi en jaune, mais j'aime mieux la naturelle. Alors, où est-ce qu'on va poser ça? Ah bon? Bébé! Attention le micro. Bébé. C'est un cadeau d'anniversaire la calèche. Et elle est vachement classe. Yes. Ah, par contre, je peux plus secouer les arbres, donc je vais peut-être pas mettre la calèche ici. Là, j'ai encore accès aux arbres. Bah, sinon, je vais la mettre là. Voilà. Bébé, t'es complètement couché sur la manette, c'est pas pratique. Je vais sacrifier un bonbon. C'est pour qu'on puisse mieux voir la calèche. Voilà.
Et comme ça, si j'ai besoin de planter des trucs, je pourrais planter des trucs ici. Si c'est pas beau tout ça. J'espère que les citrouilles resteront toute l'année, dans le sens où j'espère que les citrouilles vont pas pourrir à la fin du mois d'octobre et qu'après on se retrouve avec plein de plants de citrouilles pourries et qu'on puisse rien en faire. J'espère qu'elles resteront là quand même pour faire joli si on les ramasse pas. Du bois comment? Normal ou dur ou Il t'en faut combien? Je t'en envoie 30, ça suffit? Ok. Alors, que je regarde. Donc ça, on a dit que je pouvais vendre. Soit ça, je garde. Ça, ces deux-là, je garde. Ben, je vais les ranger justement pour pas... Mais non. Je vais les ranger pour pas faire d'erreur. Le masque de Jaco, on l'entrepose aussi. Alors, la veste de motard, ça, je suis sûre que je les ai déjà. Tablier nostalgique, je vais le ranger. Et le sweatshirt, je vais le ranger. Et tout le reste, je pense que je peux vendre. Je vais juste ranger le ballon. Ouais, c'est tout du coup. Oui, je me doute que je l'ai eu en avance. C'est quoi déjà ton nom dans le jeu? C'est Liane, c'est ça? Ou quelque chose comme ça, je sais plus. Non, non, t'inquiète. Issa, ah oui, c'est Issa. Je sais pas d'où je sors Liane. Et voilà. Attention bébé. Alors, je vais faire un peu de place. Non, je vais donner les vêtements que j'ai en double. Ah ouais, une veste de motard pour Misty Gris. Ah yes! Tous mes habitants en rouge. Ok. Si j'ai des doublons, ouais, je te garderai ça, ouais. Un pot de lait et sucre, super. Il est trop mignon comme ça!
Il a toujours pas mis sa robe de princesse alors que c'était le cadeau qui lui faisait le plus plaisir sur sa liste de cadeaux. Allez, prince, hein, le petit débardeur noué devant là. Mais oui, Raymond, il est adorable. Depuis le temps que je le voulais, lui et Bouloche. Ah, t'as 5 étoiles enfin! Nice! En même temps, ton île, elle est quand même vachement, vachement belle et vachement clean, donc c'est amplement mérité. Allez, maintenant, on fait le tour de tout ce qu'on a à ramasser. Je devrais avoir assez de place. Merci, c'est gentil. Je sais qu'elle n'est pas forcément au mieux de ce qu'on peut faire, mais j'aime beaucoup mon île telle qu'elle est, donc ça me fait plaisir d'avoir des petits commentaires positifs dessus, du coup. Hey, cucu! Désolée bébé, je spamme le bouton. Elle a la tête qui bouge dans. Parce qu'elle est couchée sur ma main droite et du coup je spamme le bouton A pour récupérer les pierres et tout ça. Et du coup elle a sa tête qui bouge dans tous les sens. Mais elle s'en fout, elle dort quand même. J'ai baguette étoile, table cancer, sculpture lion et harpe vierge. Il y en a que tu veux dedans? Je pourrais t'en envoyer qu'un par contre aujourd'hui, mais parce que je t'ai déjà envoyé un avec les bois. Ouais, non, globalement, j'ai de la chance avec mes chats. Il y a juste Sora et Noctali qui sont un peu turbulents, mais globalement, j'ai de la chance. Mes chats sont assez sympas. Alors, j'ai la table cancer. La harpe vierge, la sculpture lion et la baguette étoile en plan que j'ai en double de céleste. Mais comme je disais, je peux juste en envoyer un aujourd'hui parce que je t'ai déjà envoyé un courrier avec le bois. La table cancer, ok. Je vais aller faire ça tout de suite, ce sera fait. J'ai fini les fossiles et là j'attends j'attends les autres insectes et poissons pour pouvoir compléter tout ça. Mais j'ai tous les fossiles, en tout cas.
Ah oui, bah ça. Après, pour essayer de te motiver, tu peux toujours. Il y a des sites qui te permettent de faire une prévisualisation de ce que pourrait donner ton île si tu la remodelais. Ça prend un peu de temps à faire, mais ça peut être sympa pour se motiver à changer son île. Sinon, au pire, tu repars depuis le début, mais c'est un peu risqué. Parce que si tu repars depuis le début, faut tout refaire. Mais ouais, tu marques un truc du genre Animal Crossing, Terraforming, des trucs du genre. Et tu trouves facilement des sites qui te permettent de faire des prévisualisations de Terraforming. Et du coup, tu peux déjà t'amuser à créer un petit peu ton île. Le plus chiant, ça va être de remettre ton île actuelle dans le truc de Terraforming. Parce qu'il faudra tout refaire, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa comme outil pour se donner une idée et éventuellement se motiver à faire ce fameux terraforming. C'est ça, c'est un peu chiant, mais une fois que c'est fait, au moins t'es content, quoi. Je suis à deux fossiles, ok. Oh, elle est belle la calèche. Petit chat. Alors je crois que j'avais vu le trou doré sur un coin là quelque part. Ah, c'était là. Oh bah oui, tiens. Par contre là, il va jamais pousser l'arbre, donc on va le changer de place. Ça va, bébé. Ça fait 4, 1, 2, 3. Ouais, 4, on est bon.
Voilà, on a tout fait. Je vérifie bien, mais là, c'est bon, ouais. Du coup, je passe au musée expertiser les fossiles, je vends tout ce que j'ai et je change de perso. Ah, et au fait, les gens, pour Pokémon, j'ai pas tout à fait fini le DLC. Parce que hier, je montrais Pokémon à des amis. Et en fait, il se trouve qu'il y a Nabil qui vient d'arriver dans le dojo. Et du coup, il y a des petites quêtes à faire avec Nabil. Du coup, il reste encore des petits trucs à faire. Là, tout ce que j'ai fait hors stream, c'est de gigamaxer Charmeleon. Donc, elle est enfin en forme pièce montée. Mais là, notre objectif, c'est de tenter de trouver de quoi gigamaxer Chifourse. Et pour ça, il faudra des champignons et un miel spécial. Et on a fait une quête où on devait ramener une fragile lady auprès de son petit Chlorobulle. Parce qu'il était perdu et du coup on l'a ramené et c'était chouette comme quête. C'est toi la petite quête, non mais oh. C'est mon anniversaire, on me parle mieux. Bon, en vrai c'est mon anniversaire pendant tout le mois d'octobre, donc bon, hein. Qui vont me dire bon anniversaire? Même pas. Ah, la boîte en carton. Donc ça va aussi être l'anniversaire de Noali. Il y a juste Nao que je sais pas pourquoi, je l'ai mis le 12. Donc Nao il sera décalé. Il aura son anniversaire demain lui. Par contre, je vais pas refaire la distribution de... Je vais pas refaire la distribution de cupcakes à tout le monde avec Noali ou Nao, ça va être un peu trop long sinon. De rien.
Encore Mistigri! Est-ce qu'il va encore y avoir Kiki et Momo? Mistigri, la daronne des anniversaires. Ah, il y a Néferti et Kiki! Néferti avec ses magnifiques lunettes de soleil. Je souffle avec un masque. Ben, il y a juste Nao que je me suis trompée, je l'ai mis le 12, donc il y aura un anniversaire demain. Sinon, ouais, je les ai mis le même jour, mais je me suis juste trompée pour Nao et j'ai pas fait gaffe. C'est quoi mon cadeau? Une table d'anniversaire. Oh, je l'ai pas ça. Attention! Si jamais tu veux, chat, j'ai plein de tickets Miles Nook que je pourrais te filer si jamais tu veux faire de la recherche deal. Ma oui bébé. Ma oui. Oh. Ah oui, t'as la carte diva. Mon bébé. Ma oui. Ma oui. Salut Hugo. Mais alors? Du coup, pour Cédric, c'est vachement facile. Si t'as la carte, tu le fais venir 3 fois au camping et à la 3e fois, tu peux le faire s'installer chez toi et bim! C'est bon. Désolé Hugo, je vais que sur les îles des amis ou des gens que je connais un minimum. Désolé. Ah, on a atteint la barre des 100 000 points. Oh, il n'y a que 8 cupcakes. Bébé. Bah justement, avec la carte Amiibo, tu pourras faire partir la poule. Parce que quand tu fais partir des habitants via les cartes, tu choisis qui est-ce que tu dégages. Du coup, c'est vachement mieux. Mais oui bébé. Mais oui mon bébé. Bah alors. C'est la différence entre les campeurs qui viennent d'eux-mêmes sur ton île où là par contre c'est aléatoire la proposition qu'ils vont te faire.
Par contre, les cartes Amiibo, c'est fixe, c'est juste qu'il faut faire venir l'habitant trois fois, lui craft trois fois quelque chose, et à ce moment-là, il va te dire à la troisième fois, ok, je suis ok pour venir dans ta ville, mais il n'y a plus de place, dis-moi qui est-ce que je peux, à qui est-ce que je peux demander de partir. Où est mon bébé? Allez, on va se refaire un petit coup de joyeux anniversaire avec Noali quand même. Tu es ma meilleure pote du monde entier qui a pris un an de plus, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Bisous, Xoxo. Ta pote Forever, Marine. Oh, c'est les yettes. Ah, meilleur message. Merci Max. Ça fait plaisir. Ah oui, non mais Animal Crossing, c'est un jeu que je chéris de tout mon cœur. Même si maintenant je fais des streams beaucoup plus courts sur Animal Crossing comparé au début du jeu où je passais vraiment plusieurs heures d'affilée dessus parce que j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Il n'y a que quand il y a des événements de saison particuliers où là je passe un peu plus de temps. Mais même si je fais juste une demi-heure, trois quarts d'heure par jour de Animal Crossing, ça n'empêche que je chéris à fond ce jeu parce qu'il est vraiment... Il est vraiment génial, quoi. On va acheter le petit bonbon et on va aller lâcher tout ça devant chez Lulu. Alors, j'ai regardé ta liste d'habitants, oui, effectivement, mais je me souvenais plus de qui est-ce que tu avais déjà ou pas. Thank you.
Oh bah où est mon bébé? Où est mon bébé? Oh bah c'est le gros ronron, hein. Oh oui, hein. Ma oui, bébé. T'as des grosses papattes. T'as des grosses papattes. Et moi non, genre Lulu non. Ah nice, t'as réussi à en trouver un. Ouais, c'est dur de faire partir un habitant. Le meilleur moyen, c'est de faire du time travel, quoi. Parce que sinon, t'as beau te plaindre auprès de Marie, ça change rien. T'as beau essayer de les taper ou autre, ça change rien non plus. Donc, le meilleur moyen de faire partir un habitant, c'est de faire du time travel. Et de voir qui est-ce qui te demande ça. Jusqu'à ce que tu trouves la bonne personne que tu veux faire partir, et ça peut prendre longtemps. Malheureusement, ça peut prendre longtemps. On achète le petit bonbon et c'est fini pour Animal Crossing.
Pas de soucis, bonne app. Et merci encore. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est tout pour Animal Crossing pour aujourd'hui. J'arrête pas le stream, on va passer sur une autre catégorie. On va passer sur une autre catégorie parce que je vais aller chercher le gâteau. Les bonbons, c'est pour les donner aux habitants pour le 31 octobre. Et tu recevras soit des plants, soit des objets, soit des sucettes. Et ça pourra servir à Jack O qui sera là. Jack, qui est le personnage d'Halloween. Et tu pourras faire des échanges de sucettes contre des crafts, si j'ai bien compris. Alors. On va se mettre sur la scène GBF. Je vais pas faire de capture d'écran pour l'instant parce que ça sert à rien. Ah, des bisous YouTube, j'ai oublié, pardon.